Salut à toutes et à tous, c'est Falcon. Je me suis rendu compte qu'après ma première vidéo sur c'est quoi l'électro, vous étiez quelques-uns à vouloir me faire parler des genres un peu plus hard qui existent. Comme dans tout en musique, la partie visible de l'iceberg, c'est ça. Dis-moi si je dois partir ou pas. Mais en dessous se cache une multitude de genres insoupçonnés musicaux. Issus de cette surface, nous allons les découvrir ensemble dans le milieu de la musique électronique. Et on commence par la trance. La trance, à la base, ça ressemble un peu à l'électro house de David Guetta et tout ça. Mais ce genre se dénote notamment par un BPM un peu supérieur. Au lieu de 130 BPM, on est plutôt vers 140. Bon, alors par contre, allez pas me demander pourquoi ça s'appelle de la trance. Les DJ qui mixent sont pas des zombies aux platines. C'est juste le côté un peu plus répétitif et planant de ce genre de chanson qui, je suppose, amène dans un état de trance. Et de la trance, on a encore plus ou moins découlé un autre genre, la psy-trance. Non, c'est pas non plus le nom d'une attaque de Pokémon. C'est un peu le même principe, sauf que la basse... Sauf que la basse est encore plus accentuée que le reste de la mélodie, et que le rythme est assez caractéristique. Ça donne l'impression d'entendre un cheval qui court. D'où le nom basse qui galope. Alors ensuite, il y a encore plein d'autres sous-genres avec des rythmes plus ou moins différents. La progressive trance. La goa trance. La psy progressive art future art trance. Non, je viens de l'inventer. Mais par contre, il y en a qui partent complètement en couille après. Des types en essayant encore de créer des sous-genres ont obtenu ce style de musique. Non, hein, c'est pas moi qui ai accéléré le passage. C'est bien, hein. Ça doit se danser comme ça, je suppose. Mais il n'empêche qu'il existe vachement de morceaux de psytrance méga cool, des remixes ou autres qui pourraient vous donner envie d'écouter ce genre. On passe maintenant au hardstyle, le style dur. Comme d'hab, ça rend dégueulasse en français encore. Le principe de ce genre de musique, c'est un gros kick super distordu, un synthétiseur bien gras pour donner ce genre de musique. Et de ça, il y a plein de genres un peu similaires, mais flemme de les décrire. On va plutôt passer à la partie encore plus vénère, le hardcore. Rien que le nom déjà, ça annonce la couleur. De toute façon, tous les genres de musique qui finissent par core, vous pouvez être sûr que ça risque d'être un peu bourrin. Le hardcore, c'est également un kick super distordu, mais le rythme est un peu plus rapide. Dans ce genre... Le genre de musique qu'on imagine, il n'y a que les gros hollandais à balles qui peuvent écouter ce genre de son. Mais apparemment, pas que... Et du hardcore en dérive encore plein de genres comme la Frenchcore. Ouais, en France on sait faire des trucs qui tabassent pas mal. Là c'est encore plus rapide. Et le kick une fois de plus change un peu. Niveau description, je suis pas au top là. À part dire que le kick et le rythme changent. Bah en même temps c'est les éléments principaux de ce genre de son. Et puis après, une fois de plus, ça part complètement en couille. Avec la création encore d'autres trucs du genre la Terrorcore. L'intérêt c'est de faire des rythmes tellement rapides que tu peux même pas danser dessus. Et tu comprends pas trop d'ailleurs ce que le type a voulu faire. Et puis y'a ça. Les Russes. Je vous promets, c'est considéré comme de la musique, ça. La prochaine étape, du coup, c'est quoi? Le dindon corps. On mettrait genre des bruits de dindon à la place de la grosse caisse et on mettrait ça à 600 BPM. Bref, il faut de tout pour faire un monde. On a deux artistes en France pas mal connus de hardcore. Radium, qui est pas mal fort pour remixer des chansons pas mal connues, mais à la sauce hardcore. Et Darktech, lui il est dans un trip marrant de gosse un peu. Il fait des chansons délirantes, mais pareil, pas mal vénère. Espèce d'enculeur d'arbre. Je vais m'écouter un peu de musique classique pour me détendre les oreilles. Au final, ces genres sont arrivés pour deux raisons selon moi. La première, c'est parce que des types ont voulu tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences musicales. Et la deuxième raison, je suppose, c'était de vouloir créer des genres de musique un peu en opposition avec la musique commerciale qu'on leur envoyait tout le temps dans les oreilles. Ce qui n'empêche pas que ces genres musicaux restent assez particuliers, mais il y a beaucoup de travail derrière tous ces morceaux, et un public nombreux prêt à accueillir ces types de musique. Alors pourquoi pas? La vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, et à mettre en commentaire d'autres genres hard que vous connaissez. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. En 7ème, le Lady Droll Festival. Laisse-le rouler. Je sais pas où ils vont chercher leur nom de festival, les types, des fois. Ah, t'es, ça roule. Si j'en faisais le nom d'un festival. Plus gros festival de drum and bass d'Europe qui a lieu chaque année en République Tchèque. Tous les plus gros artistes de drum y sont programmés. Si vous aimez le genre, une fois de plus,